le voyais pas. Bonsoir à tous. Donc, programme de ce soir, on va repartir sur un JR East Train Simulator. Hop là. Faire une nouvelle ligne. L'autre fois, il y a à peu près un mois, on avait fait la Oito Line. Donc, ligne plutôt rurale. Là, on va passer complètement l'inverse. On va passer sur la Keihin Tohoku Line. Negishi Line. Une des grosses lignes de Tokyo. On va partir du nord de Tokyo. Je ne sais plus les noms. Bien au sud de Tokyo. On va aller jusqu'à Yokohama, je crois. Si je ne me trompe pas. Voilà. Ok, c'est bon. Voilà. On peut dire de plus que bon, j'avais dit sur un stream précédent qu'on ferait du after image. Ça sera pour plus tard. Que j'ai toujours pas progressé dans Grim Grimoire. Faudrait que je continue du Grim Grimoire déjà. Sachant aussi que j'ai reçu un petit trek to Yumi. Que j'ai pas commencé, bien sûr. Et que bien sûr, normalement, vendredi, je reçois un petit jeu sorti, un truc fait par un petit artisan du jeu vidéo qui s'appelle Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Donc il y a des chances que la semaine prochaine ça soit du Zelda, et après on verra. Voilà. Bref, passons sur le jeu. Hop, fondu, tac. Hop, je mets le son. Je vais se mettre un tout petit peu. Voilà. Le jeu a pas trop changé depuis un mois, hein. Il n'y a pas eu trop de nouveautés. Petite correction de bug. Enfin si, il y a une grosse nouveauté. Je vais le montrer. C'est la grosse nouveauté, c'est la Keihin Tohoku Negishi Line qui est disponible dans le jeu de base. Parce qu'à l'origine, le jeu de base, il n'y avait que la démo de ces trois lignes. Donc, pour ainsi dire, pas grand chose pour 30 euros. Mais ils ont fait une mise à jour qui rajoute du coup la Keihin Tohoku Negishi Line en entier pour le pack de base. Donc, comme on voit en bas, on a à peu près 81 km à faire, une quarantaine de stations. C'est un train rapide, donc au niveau de Tokyo, on va sauter quelques stations. À la différence de la Oito Line que j'avais fait, qui était un local, donc on faisait toutes les stations. Il n'y a pas d'annonce. La seule annonce qu'il y a, c'est la fermeture ou l'ouverture des portes. Après, ça, il faut qu'il va y avoir la JR, toutes les questions de licence et tout. Peut-être que ça viendra plus tard. On est sur un modèle de train plus récent. L'autre, voilà, on était sur des trains qui dataient plutôt en production. Je crois que c'était vers les 85. Je crois. Là, on est sur des modèles qui, voilà, c'est plutôt 2010. Et pareil, les trucs de sécurité sur la Oito Line, on avait une sorte de curseur qui s'activait de temps en temps. Et si on le dépassait, on avait un arrêt d'urgence qui se déclenchait et on était obligé d'attendre l'arrêt complet du train pour démarrer. Pour redémarrer. Là, on a. Et dans le système, c'était ATSPS. Sur la Keihin Tohoku, on est sur du digital ATC. L'avantage, c'est qu'on voit la limite de vitesse directement sur le compteur. Il y a une petite flèche. Et si on dépasse la limite, ça nous ralentit pour repasser en dessous la limite. On n'est pas obligé de faire un arrêt complet. Ce qui est mieux. Après, ils ont rajouté 2-3 petits trucs, mais voilà. Pour le gros du truc. Du coup, je vais en profiter. Tac. Dans le display, on va lever le maximum speed parce qu'il n'y en aura pas besoin.
Je vais laisser tout le reste. Allez, c'est parti. Alors, je sais pas combien de temps ça fait parce que je l'ai pas fait d'un seul coup. Si c'est comme l'autre, ça va durer entre 1h30 et 2h. Pour faire 80 km. Mais on a un train quand même qui est un peu plus véloce. Et on voit sur la carte. Bon, on voit pas la souris. On part de Omiya, dans la préfecture de Saitama. On va aller jusqu'à Tabata. On va suivre la Yamanote jusqu'à Shinagawa. Et où là, on va continuer à descendre. On va passer Yokohama jusqu'à Ofuna. Voilà. Ben, c'est parti, je pense. Ah, j'ai pas fait l'enregistrement. Bon, tant pis. Ferai un dump. Allez, go. Donc, on va. Tac. Tac. C'est assez conséquent, on va dire. Et on voit que c'est vraiment sur Tokyo où on saute quelques stations. Et pour info, du coup, la vidéo capturée, enfin, c'est plusieurs vidéos capturées parce qu'il y a des moments où on voit qu'il y a une transition, un petit fondu, a été faite avant la construction de la station Takanawa Gateway qui a été ouverte juste avant les JO. Donc, on va plus passer devant une zone de travaux qu'une station de métro, une station de train une fois qu'on sera sur Tokyo. Allez hop, c'est parti. Il compare aussi à l'autre modèle de train. Donc ça c'était l'annonce pour dire que c'est un train rapide. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Ah oui, ici, on n'a qu'une seule. La petite annonce de fermeture de porte. On n'a qu'une seule manette. Tac, 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 tac. C'est parti. On n'a qu'une seule manette de coude d'accélérateur frein comparé à l'autre qui était un ancien modèle. Et vous n'avez une manette d'accélérateur, une manette de frein. Même si quand on joue à la souris, ce qui est mon cas là. Là, on a entendu le petit système de protection. J'ai dépassé légèrement 45, du coup, il a activé le frein. Et donc, on voit la petite flèche sur le compteur qui indique la vitesse limite. Le cadran à droite, hop là, la petite sonnette, c'est pour indiquer un changement de vitesse. Donc sur l'écran de droite, on voit du coup les wagons sur lesquels les moteurs tournent. On voit les 1000 prochains kilomètres. Donc quand on a des carrés larges, c'est qu'on arrive en gare. On a les informations d'ouverture de porte. Et après, je pourrais pas dire le reste. Donc là, l'arrêt se fait sur les panneaux 10. Parce qu'on a un train de 10 wagons. À 3 cm. Hop là. Donc on voit sur l'écran de gauche le niveau de frein, la puissance des freins. On a un petit cadran avec divers voyants en fonction des trucs. Hop, peut zoomer un peu plus.
Hop, c'est fermé, c'est parti. Bon, après l'inconvénient du coup qu'ils n'ont pas intégré, c'est que si on passe en interface complète en fait, on n'a pas ici, pas encore l'info de vitesse maximum. Pour l'instant, le champ était resté vide. Donc, du coup, c'est pas trop jouable en fait en restant dans cette vue, ce qui est un peu dommage. Même si, du coup, avec le digital ATC, on n'est pas vraiment pénalisé. On sait qu'on a atteint la limite. Je vais le montrer. Si j'y arrive, ça va freiner tout seul. Non. Bon, là on va commencer à freiner plutôt. Le disque est ici. Normalement, pour le frein, il faut se mettre au moins au niveau 5. Sinon, je vais baisser un peu. On va voir que. Voilà. Dis attention, il n'y a pas cette pression au niveau des freins. Je vais essayer de montrer le DATC. C'est bon, c'est bon. Aussi, du coup, on n'a pas l'indicateur de. C'est bon. On peut rouler. Donc du coup en fait c'est une vidéo qui a quelques années et je pense qu'en fait c'est une des principales vidéos du coup qu'ils utilisent pour leur simulateur officiel. Vers 85 ou 90. Voilà, on entend le frein qui se fait tout seul. On reste sur le cran de vitesse, mais là on voit quand on va un peu trop vite. Le monsieur il marche très vite. On a le symbole 10 qui apparaît. On n'est pas en retard. Ah si, dans cette interface, l'indication qui permet de savoir quand on peut partir, en fait, c'est le changement de distance. Voir que la vidéo change un tout petit peu d'angle en fonction de la vue.
J'essaye d'avoir le zéro, hein, mais c'est pas facile. Bon, du coup, vu qu'on n'a pas les annonces, les annonces de gare et tout, ça fait un peu moins vivant que la Auto Line. Et comme ça va être Tokyo et sa banlieue, le paysage va pas trop changer. De temps en temps, la météo va changer d'un coup quand ils vont faire le lien, les enchaînements de vidéos. Même s'ils essayent de faire que ça soit fluide. Mais après, ça sera les maisons, des immeubles, sauf sur la fin. Sur la fin, on va même passer dans les petits tunnels. Ah, shit. Ah oui, et du coup, pour ceux qui avaient vu du coup mon stream bah, sur le JRE Stream Simulator en l'Early Access, donc j'y pense, c'était cette ligne qu'il y avait. Enfin, parmi les deux lignes qu'il y avait dans l'Early Access, il y avait cette ligne. Mais on n'avait que 3 ou 5 stations, je crois. Jusqu'à celle-ci, ou peut-être la prochaine, je sais plus. C'était peut-être celle-ci. On va s'arrêter à celle-ci. Maintenant, on a toute la ligne complète. Thank you.
Là, on a eu une petite transition de vidéo. On est passé du printemps à l'automne, je pense. Ah, je suis en retard. Oh, 2 cm. Mais j'ai du retard, c'est pas top ça. Sur cette ligne, le plus monotone, ça va être le sud de Tokyo. Quand on va vers Yokohama, on a de très grandes lignes droites. Un peu comme là, mais beaucoup plus long. Secondes de retard, j'ai pas trop réussi à rattraper. Puis je suis décalé d'1,8 m, c'est pas top.
passe à côté de trains touristiques. Bon, on dirait des trains touristiques. Quoique, il n'y avait pas de siège. Hein. Hop là. J'ai un petit raté sur le frein. Je me suis un peu distrait et du coup, bah, j'ai activé trop tard. Du coup, je sais pas s'ils mettent une pénalité pour le fait de recentrer sur le départ. Enfin. Le Shinkansen qui passe à droite. Petit amateur de train qui prenait le qui nous prend en photo. Je sais même plus comment ça s'appelle ceux qui les passionnés de train. Thank you.
Nouvelle transition vidéo. Maintenant, il va faire beau. Toujours pas arrivé sur Tokyo, hein. Ça va pas trop tarder, mais. J'avais pas vu que c'était 45 la limite. À nouveau transition vidéo. Seconde avance. Je pense que la prochaine c'est des Tabata. Ah non, pas encore. Kamina Kazato. Thank you.
エアセクションです。エアセクションです。ご注意ください。Voilà. Prochaine, c'est Tabata. Et Tabata, c'est là où l'on rejoint la Yamanote, et donc on peut dire quoi. On rentre sur Tokyo. Nouvelle transition vidéo. Et là, la ligne qu'on voit sur la droite, c'est la ligne de la Yamanote. D'avance. Donc là, on va commencer à sauter les stations. Ça, c'est un train de la Yamanote, je crois. Ah non, peut-être pas. Peut-être les anciens modèles. Ça, c'est pour nous dire, ne vous arrêtez pas ici. On a un Shinkansen qui passe à côté. En train de... Non, ça c'est pas la Yamanote. Ils sont verts normalement. Ici. Si.
次は停車。30 secondes d'avance. Prochain arrêt, si je ne me trompe pas, c'est Akiba. Ah non, c'est Okachimachi. C'est après Akihabara. Ah bah si, on le passe. Donc. C'est ça, Akihabara. Vu comment sont habillés les gens, je pense qu'on est plutôt en hiver ici.
Prochaine station, Tokyo. Shinkansen à gauche. Petite transition vidéo. Thank you.
Là, on voit bien que c'est un accéléré, quand on voit la vitesse du train. Et je crois que maintenant on saute plus de station. Bon, par contre, l'inconvénient de ce modèle de train comparé à l'autre, c'est qu'on a toujours un bruit de fond. Donc là, on va passer à côté des travaux de la station Takanawa Gateway. On a un train de la Yamanote à côté.
Et à Shinagawa, ça sera le moment où partir de Tokyo pour aller vers Yokohama. Voilà. On voit à gauche les travaux de la station de Takanawa Gateway. On fait la course avec un train de la Yamanote. Donc on voit à droite les deux lignes, tout à droite les deux lignes de la Yamanote qui vont prendre une petite rampe pour tourner vers la droite alors que nous on va aller tout droit. J'ai même pas fait entendre du coup les klaxons. Les klaxons, on a le même dans Densha Lego. Et lui plus fort. Et là on va avoir droit à de grandes lignes droites. Thank you.
が閉まります。ご注意ください。On en est à peu près à 1 heure de trajet. Je pense qu'on a bientôt fait les 2 tiers. ドアが閉まります。ご注意ください。Ça c'est pour dire, ça fait 1 minute que t'as pas touché de commande, t'es toujours là.
は停車。次は停車。N'est pas la partie la plus intéressante du trajet. Alors, tout ce que je peux dire sur ce train, c'est que quand on accélère, si on souhaite décélérer, faut pas juste baisser d'un cran. Là, il y a quelqu'un. Il fait coucou. Faut pas juste baisser d'un cran. En fait, faut pour passer à un niveau inférieur, faut d'abord revenir au point mort. Sinon, ça fera rien du tout. Parti. Hop là. Vous voyez, la P3, j'accélère. Je reste à P1, j'accélère toujours. Je me mette au point mort pour réinitialiser, on va dire, le niveau de vitesse. Je me suis loupé.
が閉まります。ご注意ください。Petite transition vidéo. Transition vidéo.
は停車。次は停車。Petite transition vidéo. Si je me trompe pas, je crois que c'est ici qu'en fait se termine la Keihin Tohoku. Et ensuite on passe sur la Negishi. Je crois. Ou sur Yokohama. Je sais plus. Bon, ça change pas grand chose, hein, c'est toujours le même rail. Peut-être Yukoma. Déjà, Yukoma sera la prochaine. C'est peut-être à partir de Yukoma alors. On passe du coup sur une ligne un peu plus. Moins de lignes côte à côte.
prochain, je mets une vidéo? Non. Il y a du monde à Yokohama. C'est là où on voit déjà plusieurs lignes qui se séparent. Là, on rentre vraiment dans la dernière partie de la ligne. Qui ressemble plus à une petite ligne de banlieue qu'à une grosse ligne Tokyo 8. Next.
が閉まります。ご注意ください。Et là, on va commencer à avoir quelques tunnels. Bon, c'est pas des gros tunnels. C'est pas les tunnels qu'on pourrait avoir sur les lignes de Shinkansen qui font plusieurs kilomètres. On en est à peu près une heure et demie, je pense. Prochain arrêt, Nekishi, qui donne son nom à ce bout de ligne. Thank you.
車。次は電車。On a à peu près encore une vingtaine de minutes, un peu moins. Que si je comprends bien sur l'écran de droite, 13h28 c'est le départ sur la Negishi, 13h55 c'est l'arrivée. Je suppose. Thank you.
次は停車。次は停車。Il y a encore à peu près 10 minutes s'il n'y a pas de skip.
Je pense qu'il nous doit nous rester trois stations. Deux ou trois stations. Non, non, la prochaine c'est le terminus. C'est ça. On se retrouve à nouveau avec un peu plus de voix que tout à l'heure. Thank you.
Pas fait le green show. T'arrives un peu tard là, on arrive au terminus. Et voilà, terminus de la Keihin Tohoku Negishi Line. Voilà tout le circuit qu'on a fait. Donc, on a eu donc la première partie banlieue classique, deuxième partie Tokyo et bah, Tokyo est très, comment dire, dense, voilà. Ensuite la partie Shinagawa jusqu'à Yokohama, bonne grosse ligne droite, pas très intéressante. Et après il y a la partie Yokohama Ofuna, où on a plus une petite ligne de banlieue avec plein de tunnels. Parce que si je me trompe pas, la Tokaido qui part aussi de Tokyo, qui passe aussi par Yokohama, Ofuna, elle, au lieu de passer vraiment dans les petites montagnes avec des tunnels, contourne par le nord. Et après, elle continue jusqu'à Atami. Mais je crois qu'elle est... elle est aussi à peu près une 80 km. Hein. Un peu plus, je sais plus, mais il y a moins de stations et elle est moins elle est urbaine, hein. Un peu comme la Keihin Tohoku. La queue là, bah la SIQ, il n'y a pas de elle sait qu'elle est cool, surtout sur la, on va dire, la dernière partie où on arrive vers Kawagoe, où on sort de Tokyo, où on arrive sur du truc un peu plus rural. La Chuo, qui ouais, c'est du banlieue aussi, hein, qui va de Takao à Tokyo. Et la Uito, que j'ai fait il y a un mois, qui est entièrement rurale. Donc, qui change bien comparé aux 4 autres. Et qui en plus a les annonces vocales.
Mais bon, peut-être que d'autres annonces vocales arriveront au fur et à mesure des mises à jour. Voilà. Donc, je vais pas ressortir le. Du coup, le GR East, je vais pas le ressortir sur un prochain stream. Sauf si, entre temps, ben, il rajoute du contenu gratuit. Même si je pense pas qu'il le fasse très souvent. Ou alors si j'achète des DLC, mais ça arrivera pas très souvent non plus. Parce que bon, à 30€, voire 40 le DLC. Voilà, j'essaie. J'achète un jeu complet, quoi, limite. Voilà, voilà. Hop. Ouais. Ouais, donc après, ouais. Si je dois acheter un DLC, ça sera la Saikyo que j'achèterai. Sauf s'il rajoute d'autres lignes qui peuvent être aussi intéressantes. Moi j'avais proposé qu'il rajoute la Nico Line qui va à Nico. C'est une petite ligne, 40 km, 7 stations. Mais au moins on est aussi en rural. Là j'ai vu qu'ils avaient du coup, avec des news, qu'ils avaient capturé une ligne de Hokkaido qui venait de fermer. Et qui prévoit de la rendre disponible l'année prochaine. Mais pour l'instant, après, il n'y a pas d'autres news concernant de futurs contenus. Voilà, voilà. Bref, donc, normalement, semaine prochaine, ça sera, comme j'ai dit au début, du Zelda. Il y a de grosses chances que je fasse du Zelda Tears of Kingdom, que je devrais recevoir. Je pense vendredi, hein, si la poste n'est pas en avance. Et après, après, ça sera soit comme je. Hop là, change de vue. Tac. Hop là. Donc après, ça sera en fonction soit du peut-être du After Image, qui apparemment sur Switch a quand même quelques soucis un peu de performance en dock. Donc apparemment en fait il vaut mieux préférer la version PS4, mais il a plutôt de bonnes notes de ce que j'ai vu vite fait pour mes Metroidvania, ou alors passer sur du Trek to Yomi. Je verrai le moment voulu. Ah mais en plus il y a les musiques qui doivent se mixer, mélanger un peu. Hop, ça tombe bien, ça s'arrête. Tac. Voilà voilà. Donc ça c'est le programme des 3 semaines. Normalement. Il y a le High Level qui est sorti hier. High Level sur Metal Slug. Qui a eu du retard parce que il a fallu le tourner. Donc on l'a tourné le 10, 9, 8. On l'a tourné ça le 7. Je l'ai monté le 8, je l'ai rendu disponible le 9. Bon après c'est pas du gros montage. Et après bon normalement on va reprendre un rythme normal de 1 par mois tous les premiers du mois. Mais je vais pas dire ce que c'est le prochain, hein. Regardez un peu la surprise. C'est juste que voilà, je peux dire que le prochain c'est quand même comme tous les autres high level, c'est de la très grosse perf. Voilà, je dirais pas plus. Voilà voilà. Bref, je vous dis bonne soirée à tous, bonne soirée Pafel Green Show, et à la prochaine. Ciao.